bureau de l'AMBA des vétérans. Pourquoi venir à nous? Quiconque cherche ou reçoit des services ou des avantages d'Anciens combattants Canada ou ACC a le droit d'être traité avec respect, dignité, équité et courtoisie. La Déclaration des droits des anciens combattants énonce votre droit d'être traité équitablement par ACC. Si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés ou qu'une décision n'est pas équitable, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'AMBA des vétérans. Qui peut déposer une plainte auprès de notre bureau? Si vous cherchez ou recevez des services d'ACC, ou si vous travaillez au nom d'une autre personne que vous croyez ne pas avoir été traitée équitablement par ACC, nous pouvons peut-être vous aider. Comment pouvons-nous vous aider? D'abord et avant tout, nous vous écouterons. Nous examinerons votre dossier avec vous et vous aiderons à comprendre vos options. S'il y a des mesures à prendre avant que nous puissions vous aider, nous vous en informerons. Si nous ouvrons une enquête concernant votre plainte, nous en expliquerons le fonctionnement. Nous menons nos activités sans lien de dépendance avec ACC et nous sommes impartiaux. Nous ne prenons pas parti, ni le vôtre et ni celui d'ACC. Si nous constatons qu'il y a une injustice dans votre cas, nous plaiderons en votre faveur. Nos constatations nous permettent de formuler des recommandations aux décideurs. Ces recommandations peuvent vous aider ou permettre à d'autres personnes d'éviter de rencontrer les mêmes difficultés. Nous évaluerons la façon dont vous avez été traité et dont le processus a été suivi et déterminerons si les résultats sont justes. L'AMBA des vétérans peut-elle changer une décision d'ACC? L'AMBA des vétérans ne peut pas changer une décision rendue par ACC. Lorsque nous déterminons qu'une décision est injuste, nous pouvons défendre l'équité et chercher à obtenir une solution pour vous auprès d'ACC. Comment pouvez-vous communiquer avec l'AMBA des vétérans? Pour soumettre une plainte ou simplement poser une question, vous pouvez communiquer avec nous de la façon qui vous convient le mieux. Avant de communiquer avec nous, il est utile d'avoir tous vos documents d'ACC à portée de main. Nous vous expliquerons ensuite le processus. Si vous travaillez au nom d'un vétéran, vous devrez fournir une preuve du consentement de ce dernier. Vous pouvez communiquer avec nous en ligne, par téléphone ou télécopieur sans frais, par courriel ou par ATS pour les personnes malentendantes. Vous pouvez également communiquer avec nous par la poste. Nous sommes là pour vous aider lorsque vous avez des difficultés avec Anciens combattants Canada. Nos services sont impartiaux, confidentiels et gratuits. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir vous rendre service. Un message du gouvernement du Canada.